Jabra Move Style Edition, voilà. Ça vient d'arriver au studio, ce sont encore des casques. Est-ce qu'on peut dire à ce stade-là que je vous casque les couilles? Non. Bon, en tout cas, mes chers influencés, je vous dis bonsoir. On se retrouve pour une nouvelle review de casque. Donc voilà, ça m'a été envoyé par Jabra, comme vous le voyez. Maintenant, j'ai aussi une seconde caméra pour me filmer. C'est plus sympa, ça me permet de faire des transitions. Tac, tac, je vais en chier au montage, là. Je suis en train de me suicider moi-même. C'est pas grave, c'est assez dans la logique du suicide, d'ailleurs, en fait. Je reviens sur mes mots, mais voilà. Du coup, on a reçu les Move Style Edition, voilà. Couleur beige, je me suis dit, petit kiff, on part sur quelque chose d'un petit peu d'innovant, hein. Et puis voilà, on va espérer que ce soit bien, on va checker ça tout de suite, et du coup, bah écoutez, on est parti. Du coup, évidemment, ce qui plaît, c'est l'unboxing dans un produit, et nous avons un petit produit de qualité qui vient dans sa boîte. Oh, c'est beau. Non, c'est plaisant, c'est beau, je dois bien l'avouer. Vous me prenez par les sentiments en même temps, mais une belle boîte jaune comme ça, oh là là, ça fait plaisir. Hop, les voilà. Petite expérience unboxing qui est fort sympathique. Et attention, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Et c'est moi, le couvercle qui part tout seul. Le casque, voilà, c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu. C'est pas grave, hop, on va placer ça là. Et du coup, on a le casque qui arrive ici, c'est beau. Oh, c'est beau. Bon, du coup, hop, attention, on les sort d'ici. Et voilà, franchement, c'est beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le look. Écoutez, on va le poser. On va le laisser dans votre champ de vision. Voilà, et puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre dans cette boîte. Parce que généralement, la boîte ne vient pas seule. C'est le but d'une boîte. Hop, voilà, on a un petit packaging. Et après, je crois que c'est tout. Par contre, hein, on est sur un vide après. Donc, tac, tout ça, on va le ranger de côté, hein. Du coup, cette petite boîte, je ne sais plus dans quel sens je l'ai lancée, c'est terrible. Ça vient s'ouvrir par ici, hop, voilà, get started. Donc le petit guide de démarrage, voilà, je vous le montre juste ici, ou juste ici, je sais pas, on le verra bien, de toute façon. Hop, voilà, avec ça viennent s'ajouter les warnings, tout ça, bon, ça c'est s'il y a danger, en l'occurrence, ça devrait aller. Évidemment, il est là, hop, voilà, vous commencez à être habitué. Je le rappelle encore une fois, abonnez-vous. Voilà, c'était gratuit, c'était très gratuit, et je devrais arrêter de faire ça. C'est terrible. À part ça, nous avons un câble très basique de type USB vers micro USB pour charger le casque. Vraiment, rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Mais nous avons aussi, attention, ça c'est beau, par contre, ça fait plaisir, ça fait une petite touche sympathique. Nous avons le câble pour brancher le casque qui est de la couleur du casque, et ça, ah, c'est beau. Donc c'est du jack vers jack, voilà, rien de plus classique. Le casque est évidemment sans fil, on commence à être habitué sur ma chaîne, on review que ça en ce moment. Mais évidemment il est sans fil, voilà, c'est du très portable, hein. C'est très très portable, voilà, ça se prend n'importe où. Après, seul petit truc sur lequel je bloque un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de boîte dès le début. Mais après, le casque est très léger, voilà, donc ça se porte très facilement. C'est juste qu'une petite boîte, ça aurait été sympathique, ça aurait été sympa à créer, tu vois. Je vais arrêter avec les questions québécois. En tout cas, voilà. Oh. Oh. Ça, par contre, ça, c'est cool, ça. Ça, je vous avoue que c'est très plaisant comme mécanisme, le petit hop qui se slide. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est beau. Et bah, ça, je suis content. Ça, j'aime bien. Étonnamment, j'aime bien, voilà. Du coup, on a les indications right, left. Voilà, je suppose qu'il faut un petit peu les tirer pour se le brancher sur la tête. Voilà, c'est... Mmh. Ah, honnêtement... Honnêtement, je m'attendais à bien pire, en fait. Hein. Clairement, je m'attendais à ce que ça me tue la tête. À la première impression, ça va. C'est plutôt confortable, étonnamment. Pour un casque comme ça, d'habitude, quand ça va sur l'oreille, ça te défonce l'oreille. Hein. Ceux qui l'ont eu le savent. Bah, étonnamment, pour l'instant, ça va. Et bah, c'est plutôt bien, ça part plutôt bien. Cela dit, c'est sympathique, hein, mais le principal, hop, on va le tester. Je sors l'iPad. Oui, pourquoi pas, mais soyons fous. On va tester un petit peu ce casque en Bluetooth, voilà. On va se connecter et puis on va voir ce que ça donne. Du coup, je vais allumer le casque, hop. J'imagine qu'il faut que j'appuie là pour que ça s'allume. Voilà, Jabra Move SE, c'est parfait. Hop, on a eu la petite voix sympathique. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça va valoir? On va tester. Nous allons partir sur un petit peu de musique. Du coup, on va partir sur un petit test de qualité. Hop, on va lancer tout ça. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça peut donner.
C'est bien. C'est bien, mais oui, mais c'est bien, mais soyons honnêtes, c'est très bien tout ça, c'est fort sympathique. Ce que je constate dès le début, c'est qu'on a des basses qui sont très prononcées, étonnamment. Je m'attendais pas à beaucoup de basses avec ce truc, étonnamment, on a des basses, et bah, c'est cool, j'aime bien les basses. À part ça, non, franchement, c'est assez clair le son, au niveau du son, bah, il s'en sort très bien. Au niveau du confort, c'est pas mal, mais par contre, je pense que sur la longue durée, en termes de confort, la mousse est très 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 légère, hein, voilà, on va pas se mentir. Après, c'est pas un casque qui est fait pour ça, clairement, ça se porte juste comme ça sur les oreilles vite fait. Franchement, c'est très bien, le casque s'en sort très très bien pour son usage, et voilà, mais franchement, c'est cool. On va lire un petit peu ce qu'il y a marqué sur la boîte, quand même, ça peut être sympathique, il y a souvent quelques petites indications fort intéressantes, voilà. Nous avons donc qualité de son exceptionnelle, est-ce qu'on confirme ? Oui, on confirme, c'était pas mal. Le contrôle, du coup, ça se passe avec les petits boutons ici, qui sont d'ailleurs bien agencés, étonnamment. Du coup, à ce niveau-là, c'est plutôt nice. Niveau des contrôles, des choses, voilà. Niveau de la batterie, on est sur 14 heures. On a vu des casques qui atteignaient jusqu'à 30 heures d'autonomie. Donc franchement, on est quand même sur le bas de la moyenne. Après, comme je l'ai déjà dit, c'est un petit casque. C'est du micro USB, donc ça prendra un petit peu de temps à se charger. Voilà, c'est pas forcément son point fort, c'est pas non plus son point faible, faut pas exagérer. Pas exagérer, Chris, la vie, c'est pas comme ça, Chris. Oui, j'avais dit que j'arrêtais avec l'accent québécois, c'est vrai ça. À part ça, qu'est-ce qu'on a ? Du coup, ça, c'est vrai, par contre, c'est qu'il est très 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 léger. Le casque ne pèse rien. J'ai risqué ma vie à faire ça. Franchement, non, c'est bien. Là-dessus, c'est très bien, c'est confortable, c'est léger, c'est très cool. Et puis, on a l'optional cable qui est juste là. Voilà, ça, c'est plutôt sympa, c'est pratique. C'est très pratique si vous avez envie de brancher ça. Du coup, vous n'avez plus besoin de batterie, forcément, si vous utilisez ça. Et ça, bah, c'est plutôt sympa. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on en pense de cette Jabra Move Style Edition ? Parce qu'au final, j'ai pas encore trop donné mon avis au peuple. J'ai juste un petit peu revu les caractéristiques. Bah, franchement, le son est bon, le confort est sympathique. Du coup, on est sur un casque qui est vendu aux alentours de 100 euros. Et bah c'est pas mal, pour 100€ on est sur un truc très très correct. La boîte est bien garnie, on a vite fait nos câbles et tout ça, ça sent que c'est un petit peu premium. C'est le genre de produit où vraiment on a quand même de bons matériaux là-dessus, ça fait plaisir quand même, c'est mieux que du plastique à 2 balles. Et voilà, bah c'est bien, je suis heureusement surpris, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire, non, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Du coup les Move SE de Jabra, est-ce que je les recommande ? Telle est la question. Oui, bah oui, bah oui, mais totalement, sinon ce serait pas logique. Je leur attribue, attention, la note de 4 sur 5, voilà, c'est très bien. J'ai décidé de passer le système sur 5, on se dit, voilà, c'est mieux que sur 10. Bah du coup, c'est très bien, franchement, on est sur de la bonne note pour ce casque. Est-ce que ce serait pas beau ? Mais oui, mais c'est beau. Mais oui, c'est beau, voilà, mais le produit est bien fini, donc que voulez-vous que je vous dise ? C'est bien, hop, ça tient bien sur la tête, hop, on les tire bien. C'est très cool. C'est très très cool. La couleur beige rajoute vraiment quelque chose, parce qu'au final, les casques noirs, on en voit beaucoup, et bah là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'était donc les Jabra Move SE, voilà. C'est reviewé, c'est pensé, vous avez mon avis. Du coup, c'est un très bon choix. Foncez si vous cherchez un casque dans ces alentours de prix-là, qui était super auriculaire, bah franchement, c'est très cool, c'est très bien, et voilà. C'est mon avis, il est tranché. Le son est vraiment très bon pour le prix, le son est vraiment remarquable. Je vous invite évidemment à vous abonner, mais évidemment, mais oui. Mais vous commencez à connaître le truc, vous mettez le pouce en l'air si la vidéo vous a plu, le pouce en bas si elle ne vous a pas plu. Franchement, soyez honnête parce que là, j'ai testé un petit peu un nouveau format vis-à-vis des unboxings. Je sais pas si vous allez aimer, si vous n'allez pas aimer. Du coup, j'attends votre avis avec impatience. Voilà, du coup, à part ça, vous avez mes réseaux sociaux aussi qui sont en description. Voilà, j'ai besoin d'abonnés sur Twitter, c'est pas du tout actif. Du coup, venez, s'il vous plaît. Je vous fais les yeux comme ça, là, c'est important. Et à part ça, je crois qu'on est bon. Bonne chance à tous mes bacheliers. Encore une fois, abonnez-vous si vous voulez devenir un de mes influencés favoris. Oui, c'est un bon terme, influencer. Vous êtes mes influencés, c'est pas mal. J'aime bien cette idée. Du coup, moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, tout ça, tout ce que vous voulez. En fait, c'est à vous de voir si vous voulez venir. Et d'ici la prochaine fois qu'on se revoit, je vous souhaite de très bien vous porter. C'était le Zoloc, à votre service.